Marseillais, avec ce soir Annie Lemoine, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Maureen Dor, Jean-François Derecq et Isabelle Alonso. Alors d'abord, autant le dire, Maureen, j'ai décidé que ce soir, je serai très gentil avec vous parce que j'ai reçu beaucoup de plaintes de téléspectateurs qui me disent « Mais pourquoi vous êtes si méchant avec Maureen ?» Alors voilà, je le dis, c'est parce que c'est pour m'amuser. Mais franchement, ce soir, j'ai promis que je n'ai aucune méchanceté vous concernant. On va s'emmerder. Ouais, ça, hein. ça veut dire que ça va me retomber sur le dos. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui font la défense de Maureen. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais avoir une émission. Et vous allez dire que je suis belle et intelligente? Oh non. Peut-être pas quand même. N'exagérons rien non plus. Mais... Tu sais, Maureen, quand on est assis comme moi à côté de toi, on rayonne de ta beauté. Ah, j'adore, j'adore. Non, ça suffit, je trouve qu'on a été trop loin, je peux revenir, je peux dire des vacheries alors. C'est bon. Gérard Miller, vous voulez répondre à Maître Vergès, qui était notre invité la semaine dernière, qui d'ailleurs, je m'en souviens, a même chanté en duo avec vous, Isabelle Alonso. Et Gérard, vous vouliez lui répondre à Maître Vergès. Parce que je viens de voir la cassette où j'étais mise en cause par Maître Vergès et je lui réponds par ces quelques lignes. Vous m'en voulez, Maître Vergès, et je sais pourquoi. C'est parce que je vous ai rappelé un jour, en public, qui vous étiez. À savoir un avocat capable de prendre un malin plaisir à épouser la cause infâme de ses clients au mépris absolu de leurs victimes. Je n'ai pas été le seul à avoir été indigné lors du procès du tortionnaire nazi Klaus Barbie, de votre cynisme devant les victimes qui venaient témoigner à la barre, devant les victimes sur lesquelles Barbie s'était acharné, martyrisant leur chair, arrachant leurs ongles. Qu'un avocat défende un criminel, c'est son travail, mais qu'il s'amuse à relativiser l'immensité du crime, qu'il insulte la mémoire des victimes en les assimilant à des petits blancs, qu'il fasse corps avec le crime, comme le jour où Barbie a joué les négationnismes en niant la réalité d'un document signé de sa main le 6 avril 1944, jour où on a arrêté les petits-enfants juifs d'Izieux qui seront ensuite déportés dans les camps, c'est une autre histoire. Je ne vous ai jamais agressé, Maître Vergès, je vous ai tendu un miroir dans lequel vous avez vu votre visage, ce visage dont vous avez écrit vous-même qu'il était celui d'un salaud. Isabelle, toi, je pense que vous avez fait du karaoké avec Maître Vergès la semaine dernière. Oui, j'ai fait du karaoké avec Vergès dans l'émission On a tout essayé, qui est une émission de divertissement où je venais faire la promo de son bouquin. Alors, si on fait maintenant le procès de Vergès, c'est une autre émission. Bon, voilà. Mais après ça, on voit que Gérard est ceinture noire au karaoké. Allez, passons tout de suite à la photo du jour. Et cette photo, c'est d'abord celle de Ben Laden, dont les Américains étudient actuellement la voix, vous le savez, pour savoir si c'est réellement lui qui s'est adressé à l'Occident en revendiquant les attentats des derniers mois et en menaçant d'autres attentats. Alors, pour faire avancer les expertises, on peut d'ores et déjà dire que ce n'est ni Dan Bolander, parce qu'il y a des spectateurs qui le croient, parce que Dan est dans tous les coups. C'est pas Dan Bolander, c'est pas Yves Lecoq, c'est pas Laurent Gérard non plus. En revanche, quand le FBI va reconnaître la voix de George Bush, ça va leur faire une surprise. C'est peut-être lui, hein. Allez, savoir, non? C'est pas possible, ça? J'ai entendu pas mal d'experts qui semblent quand même reconnaître Ben Laden. Je ne sais pas jusqu'où on peut être jusqu'où c'est fiable, les expertises. Jusqu'à pas loin. Non, on ne peut pas, paraît-il, on ne peut pas reconnaître formellement une voix. Il y a toujours 20% d'erreurs. Maureen, vous avez un avis sur tout, vous avez sûrement un avis. C'est une question que je me pose. Les experts de la voix de Ben Laden, c'est quoi? Ils avaient la voix de Ben Laden avant? Ils l'ont enregistré? Ils ont Exactement. Eu la, Ben Laden a tellement travaillé avec la CIA il y a quelques années qu'il devrait avoir plusieurs conversations téléphonique. Évidemment. Mais c'était une bonne question, très intelligente, Maureen. Isabelle. Oui, le truc drôle, c'est que Annie vient de dire on n'est pas sûr que ce soit la voix de Ben Laden parce qu'il y a 20% de risque d'erreur. Et comment est-ce qu'on mesure le risque d'erreur sur l'identification d'une voix? C'est peut-être 19, c'est peut-être 21, c'est un peu bizarre comme raison. Par contre, avec Ben Laden, c'est 100% de risque d'horreur. Ah, ah. Très joli. Alors là, je dis aujourd'hui, il y a un miracle, Derecq. Ah oui, parce que si Maureen Dor devient intelligente et Derecq drôle, où on va? C'est horrible. Non, j'en ai marre, arrête, il y a des gens qui vont vraiment croire que je suis conne. Non, mais ça me touche. Non, mais c'est sincèrement... Et alors, il y en a qui vont croire que Derecq est vraiment drôle. Oui.
Allez, autre photo, celle de Nicolas Sarkozy, qui pour la première fois n'était pas présent hier soir dans le 19-20 des actualités de France 3. Et pour cause, il n'y avait pas de 19-20 hier soir. Alors, évidemment, pour nous rattraper, on va offrir une deuxième photo de Nicolas Sarkozy, qui en collaboration avec Pimpronel Raffarin, ont promis chaque jour de venir nous dire qu'on pouvait dormir tranquille. Regardez, là, ils sont pas mignons, hein? Bonne nuit, la France. Autre photo, celle de l'évacuation de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Calais. La France ne sachant pas quoi faire de ces réfugiés kurdes et afghans, les sociétés Groupama, Covefi, Fujifilm et Rexona sont prêtes à leur fournir des bateaux pour qu'ils repartent, à condition qu'ils tiennent plus de 2 jours en mer à partir de Calais. Mais c'est pas gagné avec ces sociétés-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Vous avez suivi un peu cette affaire? Je trouve que le fait d'aller sortir ces gens-là à 5 heures du mat, il y a quelque chose de très inhumain. Je ne veux pas rentrer dans le débat, mais... Non, mais attends, non, parce que non, pour virer des mecs à 5 heures du matin, les flics, ils ont dû se lever à 4. Ça, c'est encore pire. Maureen. Très bien, Maureen. Ça, alors, vous voyez, ça, c'est une très bonne initiative. Non, je n'ai rien à dire. Ça, c'est nouveau, par exemple. Oui, ben voilà, quand vous n'avez rien à dire, vous ne dites rien, c'est parfait, ça, Maureen. Alors, venons-en à la route du Rhum avec cette photo publiée par France Soir ce matin qui nous montre point par point, regardez bien, ce qui peut casser sur un multicoque. Alors, on voit tous les petits points rouges, c'est là, en gros, tout peut casser sur un multicoque. D'ailleurs, ce qui nous donne cette photo, autre photo dans Le Parisien, qui nous montre les premières images du trimaran de Loïc Perron disloqué en plein océan. On ne voit même plus la marque du sponsor sur le bateau. En gros, Loïc Perron, mais les sponsors, sûrement pas, à mon avis. Derek, j'ai fait la liste de tout ce qui peut pas casser sur les multicoques, c'est ça. Dernière photo, celle de la reine d'Angleterre et son mari, le duc d'Édimbourg et Rattatam, lors de son traditionnel discours ouvrant hier la nouvelle session de Westminster et dévoilant les projets de loi du gouvernement britannique pour l'année. Alors, deux priorités dans ce programme britannique. Un, lutter contre la criminalité et la délinquance des majordomes. Deux, qu'on renouvelle l'abonnement à Paris Turf pour la reine d'Angleterre. Si on fait un gros plan, regardez bien sur sa tête, on peut admirer la couronne la moins remboursée par la sécurité sociale. La voici. Gueluc, un commentaire. On voit tout de même qu'il reste très amoureux parce que le duc d'Édimbourg est en train d'essayer de réprimer une érection à droite. Autre sujet. Le week-end dernier à Saint-Malo, vous le savez tous, personne ne peut l'ignorer, a eu lieu le départ de la route du Rhum. 59 navigateurs solitaires à la barre de leur monocoque ou multicoque se sont élancés avec pour objectif atteindre Pointe-à-Pitre en passant par les Açores. Mais déjà, on compte, vous le savez, une quinzaine d'abandons dans cette traversée de l'Atlantique qui s'avère plus périlleuse que prévu. Nous allons donc tester ensemble un des marins qui a décidé d'arrêter la course. Il a fait demi-tour à cause d'un problème pas trimaran, on va le dire. En tout cas, il a eu courage d'expliquer pourquoi. Il a eu peur. Il va nous raconter tout sur ce plateau. Accueillons tout de même le grand marin Bertrand De Broc. Alors écoutez, au départ, il y en avait combien? 2 ou 3 qui avaient abandonné, qui a eu des problèmes de bateau. Et là, vous êtes dit, je rentre, je fais demi-tour, ça sent pas bon. En gros, c'est ça. Il y avait simplement un bateau à l'envers. Il y avait un bateau à l'envers. Il n'y en avait pas un qui avait déjà commencé à faire demi-tour aussi? Il y avait peut-être des petits bateaux, mais autrement... Il y avait un bateau à l'envers, puis il y avait un autre bateau qui était rentré dedans aussi. Ouais. Et il y en a un qui n'était pas parti. Moi, j'ai bien failli lui rentrer dedans aussi. Aussi. Voilà. C'est vraiment la peur, comme on l'a lu dans les journaux, selon vos déclarations, la peur qui vous a fait rebrousser chemin. Oui, c'est la peur. Et c'est vrai, comme je disais tout de suite, c'est des bateaux hyper délicats à faire marcher. Il faut être à 100% sur ces bateaux-là. Et à partir du moment où vous contrôlez plus... vous pensez plus contrôler votre machine, j'ai préféré jeter l'éponge et rentrer à la maison. Et vous avez pensé aussi à votre famille. Là, vous vous êtes dit, pourquoi courir ce risque? Oui, ben, on y pense forcément à la famille. Hein. Moi, j'ai un gamin, j'ai une femme, on y pense forcément. Et puis, j'ai pas mis un enfant au monde pour le négliger. Donc, ça fait partie d'un certain nombre de choses. Ça fait 20 ans que je navigue. Et puis, arrive un moment, il y a un blocage. Parfait. Voilà. Annie Lemoine. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait, mais il faut dire, vous ne l'avez pas dit, vous êtes un traumatisé, vous êtes arrivé quelque chose il y a 5 ans dans le Vendée Globe qui pouvait aussi donner à réfléchir, non? Oui, j'ai un peu connu toutes sortes de galères. Hein. À 20 heures de l'arrivée, j'ai perdu ma quille, j'ai chaviré. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai connu un petit peu toutes les péripéties qu'on peut connaître sur l'eau. Moi, je trouve que c'est une belle image pour le sponsor, il n'y a pas que la victoire, ça c'est une forme de victoire. Maureen? Moi, j'ai une admiration sans borne pour vous. D'abord, de ce que vous avez fait en tant que Mais marin. Moi aussi. Hein.
Mais pour vous aussi, pardon. Non, non, mais c'est incroyable. J'ai vraiment, et surtout, ce courage de savoir dire, de savoir dire stop. C'est une vraie leçon pour les jeunes, pour de dire, on peut aussi être quelqu'un, un gagnant, quelque part, quelqu'un de formidable, en sachant dire, bah là j'ai peur, je sais où sont mes limites, je sais m'arrêter. Et je pense que vous êtes un très grand monsieur. Quand je pense que vous avez failli faire demi-tour avant le Moulin Rouge pour venir jusqu'à ce plateau, bah oui, vous avez bien fait de aller jusqu'au bout. Isabelle Alonso. Chez ces gens qui risquent leur vie, je me dis quand même, des fois ils ont des gosses tout petits, mais pourquoi on fait des enfants si c'est pour aller risquer d'en faire des orphelins tout de suite après? C'est toujours une chose qui me... une question que je trouve très mystérieuse pour moi, les pilotes automobiles, les gens comme ça, je me demande pourquoi ils font des enfants. Vous savez, je suis parti déjà une fois 117 jours en mer. J'ai pensé à ma famille, c'est clair, mais ça n'a pas été non plus l'élément décisif. L'élément décideur. C'est vrai qu'il y a eu déjà voir Franck Camas à côté chaviré. Bon, je suis passé à moins de 10 mètres de lui. Je crois que c'est ça qui a fait déborder le vase. Et on donc, va dire que c'est plutôt les éléments qui ont été décideurs. Là, oui, c'est les éléments. Et puis la tempête, qui quand même, les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes. Quoi. Là, à ce moment-là, elles n'étaient pas effrayantes. Hein. Mais ce n'est pas une surprise quand même qu'ils fassent ce temps-là, cette période de l'année. Si, tout le monde a été surpris. Donc, dans les 5 derniers jours, on annonçait plus de 40 nœuds de vent, alors qu'il y en a eu plus de 70. Donc c'est vrai que la météo est encore une fois une science inexacte, hein, ça c'est clair. Et il faut avoir l'instinct. Maintenant, il y a des gens qui me disent, mais bon, qu'est-ce que t'es bon en météo, tu savais que ça allait venir et tout. Présentateur. Gérard Miller veut vous parler. Alors, évidemment, on est tous absolument heureux de vous voir en bonne santé. On n'aurait certainement pas le culot de vous reprocher quoi que ce soit. Mais on voit bien que dans l'histoire du sport, notamment des sports à risque, on retient en général le nom de ceux qui sont allés trop loin. Moi, j'ai étudié pour un documentaire le cas de Herzog, qui a été le premier donc, français à franchir un sommet de 8000 mètres. À un moment donné, il arrive, ils sont gelés avec ses compagnons. Il y en a un qui lui dit « si je continue, je vais perdre mes doigts de pied, mes doigts de main ». Et ça ne vaut pas le coup. Et Herzog dit « si, il continue, il perd effectivement ses doigts, comme on le sait, et on retient son nom ». Donc je me dis toujours, est-ce que finalement, ce n'est pas pour aller jusqu'au bout et oublier effectivement votre femme et votre enfant? C'est exact. Ça peut, mais la preuve que là, c'est peut-être une première aussi. Hein. C'est peut-être une première dans l'OTAN. C'est-à-dire que moi, j'ai estimé que prendre des risques sur l'Atlantique, j'en ai pris beaucoup. Hein. J'en ai pris beaucoup de risques sur des Vendée Globe, des Tours du Monde. Mais il arrive un moment où on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut préserver? Il faut préserver soi-même, bien sûr, c'est normal. Hein. Et il faut préserver le bateau, il faut préserver tout ce qu'il y a autour. Et à un moment, j'étais pas bien sur mon bateau. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je sentais plus le bateau. Donc j'ai préféré stopper. Quoi. Annie Lemoine. Oui, ça veut dire que vous arrêtez la course parce que les sponsors maintenant ils vont plus y croire. Vous arrêtez le métier? Vous arrêtez la voile? Oui, j'ai décidé d'arrêter la course en solitaire. Ah. Bon, en solitaire. Après, il y a d'autres façons de naviguer, mais à partir du moment où on sent plus comme un pilote de bagnole, il sent plus sa bagnole, il préfère arrêter. Bah, moi, j'ai décidé d'arrêter la course en solitaire. D'accord. Écoutez, en tout cas, on a apprécié, je trouve, votre lucidité sur le moment. Vous avez estimé qu'il ne fallait pas y aller. Vous n'y êtes pas allé. Vous avez renoncé au dernier moment, fait demi-tour. Après tout, pourquoi pas? C'est une première, c'est vrai, dans le monde de la navigation. Et on n'a pas à juger ça. Au contraire, on peut, je pense, apprécier. Je peux juste apporter un témoignage et rebondir sur ce que Gérard a dit tout à l'heure, parce que ce que vous ne savez pas dans l'équipe, c'est que mon père faisait partie de l'expédition aux côtés de Herzog. Et il était arrivé très très haut. Et Herzog, montant, avait les doigts qui gelaient et il a perdu les doigts. Et mon père, qu'on vous croit pas. Mon père, heureusement, est redescendu au dernier moment parce qu'il a dit « qu'est-ce qu'on se gèle les couilles ?» On vous remercie Bertrand Debrac. Et bonne prochaine course à plusieurs, alors puisque vous ne serez plus en solitaire. Avec un autre bateau. Merci. Le 4 décembre prochain, vous pourrez aller voir La Chambre des Secrets, le nouvel épisode de Harry Potter sur grand écran. Et pour vous faire patienter, hier est sorti mon pote Harry Potter aux éditions de L'Archipel, un livre écrit par Antoine Guillemin, un jeune lecteur fanatique de l'apprenti sorcier, créé par Joanne Kathleen Rowling, c'est le nom de l'auteur. Je dis fanatique parce que ce garçon, Antoine Guillemin, passe au crible toutes les aventures du petit magicien en s'attardant sur les noms des profs, les noms des lieux et du vocabulaire aussi employé par les personnages. En fait, c'est une sorte d'encyclopédie potterienne, pour employer un néologisme. Et pour tester ensemble mon pote Harry Potter, accueillons tout de suite donc son auteur, Antoine Guillemin. Bonjour.
mais je suis déçu, je pensais que vous alliez arriver en Harry Potter, que vous aviez la panoplie et tout. Non, j'ai pas de balai, je suis désolé. Quel âge vous avez? J'ai 15 ans. 15 ans, est-ce que c'est pas un peu vieux pour s'intéresser à Harry Potter? Oh non, non, justement. Avec tout mon respect, Laurent, tu viens de dire un truc énorme, de dire il est... Alors que justement, Harry Potter, c'est vraiment, même pour les plus âgés, 15 ans, c'est presque un... Il est même presque petit. C'est un peu enfantin, quand même. C'est infantilisé, mais dans le livre, justement, c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre, que Harry Potter n'est pas qu'une lecture pour les enfants, justement. Bande-annonce d'Harry Potter, la chambre des secrets. Savez-vous quelque chose au sujet de la chambre des secrets? Oui. Au collège Poudlard, école de sorcellerie, la deuxième année a commencé. Et pour Harry Potter et ses amis... Bienvenue à la maison. C'est le début d'une nouvelle aventure. Je vous demanderai de ne pas crier. Ne bouge pas! La chambre des secrets a bel et bien été ouverte. Des choses terribles vont se passer. Si on ne trouve pas le coupable, l'école devra fermer. Il faut espérer que Monsieur Potter sera toujours là pour sauver la mise. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Harry Potter et la Chambre des Secrets, en France, dans tous les bons cinémas, comme on dit. Au mois de décembre. Et en attendant, on peut patienter en lisant Mon pote Harry Potter aux éditions L'Archipel. Ce film, ça reprend un des différents bouquins. Comment ça se passe alors? Oui, ça reprend le tome 2, tout comme le premier film reprenait le tome 1. Donc ils vont faire tous les livres aussi au cinéma? Oui, je pense que les 7 sont prévus. Ils vont devoir se dépêcher parce que l'acteur va grandir et il est à un âge où on change beaucoup. Comment vont-ils faire? Mais le bouquin, il grandit aussi, je crois, non? Ah oui, il grandit chaque année. Ils auraient dû me prendre moi. Là, au moins, ils savaient que l'acteur n'allait pas grandir. Harry Potter. Gérard Miller. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour le phénomène Harry Potter, notamment parce que j'ai vu le plus jeune de mes fils s'y plonger avec délice. Et je trouve qu'en plus sympathique dans le phénomène, c'est que ça génère non seulement le goût de lire, tous les parents vous le disent, mais le goût d'écrire. Je trouve absolument fascinant que quelqu'un d'aussi jeune que vous, en seconde, soit capable d'écrire un livre aussi important et plutôt bien écrit. Donc, il y a quelque chose quand même de très étonnant dans le phénomène, au niveau même de l'écriture et de la lecture. Moi, je trouve qu'il y a une vraie poésie, une vraie magie. Je trouve que c'est important qu'Harry Potter existe pour les mômes. Il y a, à mon avis, pour les enfants, il y aura un avant et un après Harry Potter. Ne dites pas qu'Harry Potter, parce que je crois que quelqu'un d'entre nous a mal aux dents aujourd'hui, et ça pourrait lui rappeler des mauvais souvenirs. C'est vrai. Mais tiens, c'est vrai. Je tiens à m'en excuser auprès des spectateurs, je ne suis pas dans ma forme habituelle, j'ai mal aux dents et j'ai le droit. Mais bien sûr, et nous saluons votre courage, patron. Et en solidarité, on a tous mal aux dents aussi. Voilà. Mais aucun mot. Je le dis, hein, c'est un défi pendant toute cette émission. Aucun mot se rapprochant de près ou de loin au problème dentaire ne sera accepté sur ce plateau. Mais déjà, avec la couronne de la reine d'Angleterre, on a frisé le coup. L'incident. Je sens votre remarque incisive, mon cher Guenu. Oui, mais vous avez remarqué. Mais c'est parce que... Je tiens à faire remarquer que moi, j'ai pas ramené ma fraise. C'est vrai. Laurent, est-ce que vous avez remarqué que je cette émission marche comme sur des roulettes. je ne dessine que des chats et jamais je ne m'intéresserai à la race canine. Oui, mais c'est parce que... Eh bien, vous recevrez un molaire pour ce jeune mot. Cela dit, heureusement, on aurait pu avoir comme invité Étienne Chico. Très bien. Bon. Laurent, vous avez remarqué que je n'ai rien dit. Je sais que vous craignez le plombage. Bon, oui, car vous plombez l'émission, généralement. Est-ce que nous sommes repris sur TV5? Dans ce cas, nous pouvons saluer le monde entier. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que je suis venu mâchoir ici? Ah bah oui, c'est vrai. Attends, mais... Ne souris pas, Isabelle, c'est de ne pas sourire. C'est une offense que vous me faites. Excusez-moi, mon cher Laurent, je vais essayer de vous parler de ce livre sans vous créer des associations d'idées qui pourraient vous faire du mal.
Moi, personnellement, ma nièce n'a que 6 ans. Elle en est restée encore à Toy Story, donc j'attends qu'elle attaque le phénomène Harry Potter pour m'y intéresser. Je voulais simplement dire que, effectivement, c'est peut-être une question d'âge. J'ai une dénommée Sonia, qui a le même âge que vous, 15 ans, et qui vous demande « Harry, veux-tu me montrer ta baguette magique ?» Alors, Non, mais je crois que dans ce livre, bon, comme vous le disiez, j'ai eu envie d'expliquer le phénomène Harry Potter, mais j'ai eu avant tout envie de donner la parole à des fans qui sont au cœur du sujet, parce que j'en avais un peu assez de lire tout le temps dans les magazines des interviews de psychanalystes, excusez-moi, ou de critiques littéraires qui n'y connaissaient pas grand-chose finalement. Et donc, plutôt que de sortir un jargon de la psychanalyse, essayer de donner la parole aux fans et de tous les âges pour montrer que ce n'est pas qu'une lecture d'enfant. Évidemment, Antoine Guimac, vous êtes incollable sur Harry Potter, normalement. Je ne me prétends pas comme étant supérieur aux autres fans d'Harry Potter. Vous en savez plus que moi sur Harry Potter. Plus que vous, sûrement. D'autant plus que nous, on n'y connaît rien. Alors. C'est ce qu'on va voir, mon petit bonhomme. Ouais. Maureen va vous tester. Ah. Alors, quel âge a Harry Potter lorsque les géants Hagrid viennent le chercher pour l'emmener à Poudlard? Il vient d'avoir 11 ans. Ouais, mais toi tu dis pourtant qu'il avait 10 ans. Il a 10 ans quand ça commence, mais il vient d'avoir 11 ans au moment où Hagrid vient le chercher. Alors, cite-moi deux manuels de la première année demandés à Poudlard. De la première année, Histoire de la magie, et puis... Excusez-moi, mais c'est quand on voit Maureen Dorr poser les questions qu'on comprend tout le génie de Julien Lepers dans son émission. Mais non, mais attends. Allez, une petite question. Comment s'appellent les biscuits que les élèves donnent aux hiboux? C'est Miami Boo, mais ça ne prend pas une grande place dans le livre. Et alors, pour voir vraiment, parce que là, je pense qu'il faut vraiment bien connaître son sujet. Il faut avoir écrit un bouquin là-dessus pour le connaître. Quelle est l'adresse de Harry Potter chez son oncle? Tout. Chez son oncle. Alors, Harry Potter, le placard sous l'escalier, Cat Private Drive, Little Winning, ou un truc comme ça, Surrey. Voilà. Bravo. Aussi de faire remarquer à tous ceux qui nous écoutent que ce jeune homme a 15 ans, je ne sais pas si vous avez remarqué l'accent anglais qu'il a. Ah oui. Vous avez votre bac Harry Potter plus 2. Cela dit, c'est pas correct de donner des adresses privées des gens sur antenne. Avant que vous partiez, la grande question qu'on se pose tous, c'est alors les filles? Alors les filles, par rapport à Harry Potter? Non, par rapport à vous. alors les filles... Et vous? Je plaisantais, ne répondez pas. Je ne vois pas comment ça peut changer les choses avec lui. Vous pouvez demander au réalisateur pourquoi il nous met une photo de Nicolas Sarkozy. Mon pote Harry Potter, c'est chez l'Archipel Édition, c'est signé Antoine Guimard. Mon pote Harry Potter, Antoine Guimard. Merci. Les Français sont de plus en plus nombreux à se ruer sur les livres qui traitent de santé. D'ailleurs, le chiffre d'affaires dans le secteur santé, bien-être et épanouissement personnel augmente de 10 à 15% par an depuis 5 ans. C'est pourquoi les pharmaciens commencent à vendre eux-mêmes des ouvrages spécialisés dans leurs officines pour s'en mettre évidemment plein la blouse. Dan Bolander a testé pour nous le succès des livres sur la santé. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé le succès des livres sur la santé. Virginie, regardez. Oh, pas maintenant, j'ai mal à la tête. Virginie. Hop. Bonjour, oui. Je vois que vous vendez déjà des livres dans votre pharmacie. Oui, oui. Ce qui est très bien parce que vous savez que le ministère de la Santé voudrait livrer dans les pharmacies un présentoir avec des livres de sexualité. Nous voulons que les pharmacies puissent être un lieu où on peut en parler. Oui, mais moi, ça fait 30 ans que je fais ça, mon métier. J'ai pas attendu de vous connaître pour parler de sexualité avec mes clients. Oui, mais vous savez que certaines personnes n'osent pas acheter certains livres dans les librairies. Donc c'est pour ça que le ministère de la Santé voudrait que ces livres soient en vente ici. Vous prenez votre affaire et vous sortez. Très bien. Il y a des cassettes qui montrent les différentes positions. Oui, mais ces questions m'intéressent. Si vous l'aimez plus sur le plan médical, je pense que ce sont des choses qui s'apprennent en couple. Il est normal que le pharmacien puisse également parler de sexualité librement. Oui, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'il... Il peut avoir ça sur un côté, peut-être plus discret, et puis dire aux gens, tenez, là, j'ai un bouquin qui peut-être vous intéressera. Alors, vous voyez, vous avez des livres qui expliquent comment rendre fou un homme au lit, par exemple. Le sexe aux débutants. On trouvait déjà ça quand on était jeune. Il y aura des télévisions, comme celle-ci, qui montrent des cassettes vidéo
sur la sexologie. Ça va en plaire à tout le monde. Dans les pharmacies. Dans les pharmacies. On vend du nougat et du chocolat, des bonbons au citron, des stylos. Nous sommes du ministère de la Santé. Je voulais juste vous informer que maintenant, dans les pharmacies, vous trouverez des livres et des cassettes vidéo qui parlent de sexualité. Bon. Ben là, la pharmacie, moi, je suis venu pour acheter des médicaments, c'est pas pour regarder le cinéma. Oui, mais là, c'est un problème de santé, vous voyez. Santé, excusez-moi. Monsieur, santé, ça fait partie de la santé, ça? Ah, la sexualité, c'est la santé, bien sûr. Allez vous faire sauter. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de livres qui sont maintenant vendus en pharmacie. Oui, ben voyez, je ne savais pas, j'aurais même pas pensé à ça. Vous trouverez maintenant en pharmacie, voyez, des conseils en sexologie. Mais on entend tellement parler de sexe, de sexe, de sexe, tout le monde en est écœuré. On pense que vous savez. Et maintenant, dans les pharmacies? Ça fait trop. Déjà, tout le monde en parle, et puis maintenant, on l'ajoute encore dans les pharmacies, alors les autres vont s'imaginer qu'il n'y a que ça dans la vie. C'est vrai que ça, les gens ne travailleraient plus, ils feraient l'amour le matin au soir, c'est tout. Madame Delanda, alors attention, hein. Parmi les livres qu'on trouve dans certaines pharmacies actuellement, c'est pas essentiellement des livres sur le sexe, la Dan Bolander a extrapolé. Mais moi, j'ignorais même qu'on pouvait acheter des livres en pharmacie. J'avoue que j'en ai encore jamais vu. Vous en aviez vu, vous, Isabelle? Ça finira par ressembler à un supermarché dans les pharmacies. On peut y acheter des collants, par exemple. Ah bon? On peut acheter des bouquins. Enfin, ça va finir par ressembler aux drugstores américains, qui sont des espèces de supermarchés où il y a un peu de tout. C'est depuis avril 2001 qu'un décret autorise en effet les pharmacies à vendre des bouquins qui ont pour thème essentiellement la santé, évidemment. Alors, vous savez qu'un des livres qui se vend le plus sur la santé, c'est le fameux Vidal de la famille, le guide des médicaments. Vous l'avez chez vous, Gérard? Oui, bien sûr. Mais en fait, ils veulent de plus en plus que les gens s'automédicamentent. S'automédiquent. S'automédiquent. Il veut que les gens s'automédiquent. Tu dis n'importe quoi, c'est pas s'automédiquer. Médication. Il s'automédique. Donc il s'automédicationne. Non, C'est pas ça. On manquait un bon solo. C'est pas ça. Vous savez, Laurent, ce que c'est, la sodomédication, c'est quand on croque les suppositoires. Les livres de santé passionnent de plus en plus tout le monde. Et parmi les livres à succès, on a la liste. Hein. Vous avez par exemple le bouquin « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». C'est signé Michel... Je vous jure que c'est vrai. C'est chez Albin Michel, ils en ont vendu près de 200 000. C'est signé Michel Audoul. Et puis alors, il y a un bouquin qui s'est énormément vendu, qui s'appelle « Maigrir vite et bien ». D'ailleurs, il vient d'être réédité. Et le docteur qui avait signé ce livre en sort un tout nouveau qui s'appelle « Bien manger pour être au top ». C'est toujours chez Odile Jacob. Je vous demande d'accueillir le docteur Jacques Fricker. Docteur, bonsoir. Vous faites rien pour les dents, docteur? Mais je connais un très bon dentiste. C'est vrai? Ah, parfait. À part ça, quoi de neuf, docteur? À part ça, bien manger pour être au top, ça concerne la santé, ça concerne l'implication de l'alimentation au niveau de la prévention de maladies telles que le cancer, telles que les maladies cardiovasculaires et telles même que l'Alzheimer ou les problèmes des démences. Donc c'est... Je trouve ça plus malin d'écrire un bouquin sur bien manger pour être au top que maigrir vite et bien. Moi, c'est plus important. Vite et bien, je n'aurais pas acheté, je ne me serais pas intéressé en me disant j'ai pas envie de maigrir. Je crois que vous n'en avez vraiment pas besoin, voilà. Vous savez. Tandis que bien manger pour être au top, c'est très malin. Parce que là, pour le coup, on est tellement assailli de problèmes de vaches folles, de poules qui... Qui ont quoi, les poules? Qu'est-ce qu'elles ont encore? Elles pondent, la dioxine. Elles couvent quelque chose. Le poulet à la dioxine, que justement, un bouquin où on nous dit, voilà, le bien manger, qu'est-ce que c'est? Et j'ai appris plein de choses. Racontez, qu'est-ce que vous avez appris? Mais par exemple, les yaourts à 5% de matière grasse, eh ben, en fait, ils sont plus gras que les yaourts à 20% de matière grasse. Non, que le fromage blanc, madame. Fromage blanc. Par exemple, une fille qui a 0% de matière grise peut paraître plus intelligente. Non. Elle a 0% de matière grasse, mais sûrement pas 0% de matière grise. Mais non, mais avec des trucs comme ça, si tu commences à réfléchir, que c'est 5% que de matière grasse. Le fromage blanc, c'est sur la matière sèche, et il n'y a que 12% de matière sèche. Mais... Annie Lemoine. Ah, écoutez, moi, j'aurais jamais eu l'idée d'acheter ce livre, et depuis que je l'ai lu, il répond à toutes mes questions. Je trouve ça formidable. Je suis ravi, merci. C'est génial, vraiment, c'est bien fait. Gueuluc, et puis après Isabelle. Alors moi, je trouve ça formidable, mais il y a une chose que je voudrais que vous me réexpliquiez, c'est ce que vous expliquez sur les huiles. Moi, j'étais persuadé que si on consommait énormément d'huile d'olive et à peu près que de l'huile d'olive, on était paré pour échapper aux maladies cardiovasculaires et aux problèmes cérébraux. Or, il y a une huile qu'on connaît peu et qu'on n'utilise pas. Oui, en fait, l'huile d'olive est intéressant, tu as pas mal de vertus, mais il y a une huile qui est l'huile de colza, qui est en fait un équilibre qui est vraiment excellent,
parce qu'elle contient des acides gras qu'on appelle oméga-3 et qui ont un rôle protecteur au niveau du cœur. Ça protège contre l'infarctus. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a parlé à un moment du régime crétois. Effectivement, les crétois ont un niveau de santé excellent avec leur alimentation traditionnelle, mais ils trouvent ces graisses oméga-3 dans les noix, dans les escargots, ils sont très friands d'escargots, dans le pourpier, qui est une salade un peu particulière, et dans les poissons. Mais en revanche, nous, comme nous ne mangeons pas tellement d'escargots, pas tellement de noix, pas toujours beaucoup de poissons, du coup, cette huile est intéressante. Isabelle Alonso. Moi, je voudrais dire que depuis le temps que je lis des textes sur la diététique, j'ai des notions assez claires. Je sais, en fait, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. C'est la volonté qui manque. C'est pour le faire. Quand je rentre chez moi à 18h et que j'ai faim, j'ai des tomates cerises, je pourrais les manger. Je me jette sur quoi? Sur les chips. Parce que sur le moment, c'est plus satisfaisant. Mais mettez les deux. Alors, ce que je voudrais, moi, c'est un bouquin qui me dise comment diriger ma main vers les tomates cerises et pas vers les chips. Alors, ça, c'est et c'est ça qui est difficile. Ça, c'est l'hypnose. Ah non, il y a déjà Gérard Miller. Mais justement, merci. Je vous le dis, ça, c'est l'hypnose avec Gérard Miller. Non, mais justement, j'essaie dans ce livre, à la fin, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, de montrer à chacun comment, finalement, en gardant ses manies et ses petits trucs qu'on aime tous, quand même arriver à protéger sa santé. Alors, manger des chips, mettez les deux, chips et tomates cerises. Il n'y a pas d'aliments interdits, on peut manger tout, de tout. Merde, j'ai bouffé de la courgette, j'aurais dû bouffer les tomates cerises. Mais il y a des aliments à privilégier. Qui dit manger légumes ne veut pas dire forcément des légumes verts, ça peut être des tomates, des pâtes et des féculents, oui, voilà, bien sûr, c'est absolument pas contradictoire. Vous savez ce qui me gêne dans tout ce que vous dites, c'est formidable, bien manger pour être au top. Mais prenez quelqu'un comme Guélu qui ne veut pas être au top, qui veut être assez moyen, vous voyez, limite. Comment est-ce qu'il faut lui conseiller de manger pour ne pas être au top comme lui? Il mange moyen. Je me suis regardé dans la glace ce matin, je me trouvais magnifique. C'est parce que vous aviez lu ce livre pendant la nuit. On peut acheter des livres dans certaines pharmacies aujourd'hui. Le vôtre, c'est Bien manger pour être au top. Merci, docteur Fricker. Dernier invité. Le 28 octobre dernier est sorti l'album live de Richard Bohringer, C'est beau, une ville la nuit. Un florilège de textes chantés issus de son best-seller, qui portait le même nom, du 12 au 23 novembre prochain. Il sera en concert à la Villette à Paris et entamera parallèlement une tournée dans toute la France jusqu'au mois de mars. Pour tester cet album, accueillons celui qui, du grand chemin à un homme en colère à la télévision, est rentré dans le cœur de tous les Français, Richard Bohringer. J'ai fait une bêtise, j'ai dit du 12 au 23 novembre. Je devrais dire depuis le 12 novembre, puisqu'on est le 14 aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes sur scène en ce moment, Richard? Non, ce soir. Ah, alors qu'est-ce qu'on me raconte? Non, on vous a raconté la vérité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous sommes des indépendants, nous avons construit notre aventure tout seul. Donc on m'a loué un champ. Un champ. Mettre mon chapiteau. Et puis le champ, il n'était pas fiable pour le chapiteau. Ça veut dire que le jour où ça devait commencer, ben, le chapiteau, il a glissé sur le terrain. Heureusement qu'il n'y avait personne sous le chapiteau à ce moment-là. Voilà. Et puis donc, du coup, comme ils se sentaient un peu emmerdés, ils m'ont filé le parking à côté du Zénith. On a été sur le parking, le cirque est magnifique. Maintenant, ce soir, on commence, voilà. Bon, c'est ce soir la première. Donc. Ouais. C'est beau, une ville la nuit. On connaissait le livre, on connaissait l'émission de radio. Et puis maintenant, c'est un disque. Attention, un disque pas enregistré en studio, un disque live, c'est-à-dire enregistré pendant un de vos concerts. Vous avez besoin du public pour vous exprimer. Déjà, quand vous faites l'acteur, rien ne vous appartient. Donc, le jour où vous faites un objet qui vous avez envie qu'il vous ressemble un peu, vous le faites comme vous avez envie. Ça veut dire avec le public. Gérard, pourquoi vous souriez? Il sourit tout le temps. Non, mais moi, j'aime bien Richard Bohringer, donc je souris. Dès qu'il est là, je souris. Moi, c'est pas compliqué. Mais Gérard, il sait pas qu'il sourit. Il s'est fait... un client potentiel, c'est ça? Il s'est fait faire un livre. Vous diriez... Vous diriez voir Miller. Je vais vous dire un truc, mais théoriquement, je devrais pas vous le dire, parce que ça reste confidentiel entre le malade et le patient. Mais j'ai déjà consulté, mais comme ça, dans un couloir. Ah oui, vous avez déjà été client, oui, Gérard. J'ai posé une question. Et on voit tout de suite que ça va mieux, je veux dire... ça m'a... Depuis, je suis au fond. En fait, vous vous trompez, Laurent. Gérard ne sourit pas, il s'est fait faire un lifting. Et c'est pas encore bien. Isabelle, vous voyez feuilleter la pochette de l'album, là, qu'est-ce que vous faites? Oui, j'aime bien les couleurs, c'est le drapeau jamaïcain, c'est ça? Non, c'est le drapeau sénégalais, burkinabé et malien. Burkinabé? Parce que vous allez demander, je crois, la nationalité sénégalaise. Exactement. Pourquoi? Ben, pour leur dire une fois pour toutes le respect, l'amour et l'estime que j'ai pour eux.
Puis après, quand il va rentrer en France, il se fera fouler. Je l'espère. Enfin, quand même, on peut faire remarquer qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes, ni chanteurs, ni acteurs qui s'occupent de l'Afrique en France. Et quand on voit quelqu'un qui non seulement aime l'Afrique, mais en plus voudrait devenir sénégalais, on peut quand même lui tirer notre chapeau. Non, mais je veux dire, c'est un parti pris, c'est un point de vue... Puis j'ai trouvé là-bas, moi, j'ai trouvé une mère. L'Afrique, c'est une mère. C'est une mère, elle n'a rien, elle te donne tout, elle te prend dans ses bras alors qu'elle a que dalle. C'est vrai que l'Afrique, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui s'en occupent. Le fric, plus, quand même. Isabelle Alonso, outre les couleurs de la pochette. Ben, moi, ce que j'aime chez Bohringer, je vais vous dire, c'est sa voix. C'est la texture de la voix, il y a de la testostérone là-dedans. Moi, ça m'émeut, personnellement. J'adore. C'est un truc sexuel que vous avez dit, là? Oui, elle vient de dire, en gros, vous avez une sacrée paire de couilles. Voilà ce qu'elle a... Non, justement. C'est un peu ça. Et en plus, sénégalaise, bientôt. Sénégalaise. Ah oui, mais alors, c'est un plus. Morinda, Monsieur Bohringer. Bonjour, Monsieur Bohringer. Comme elle dit, Monsieur Bohringer. Évidemment. Non, monsieur. Mais non, parce que j'ai dit monsieur parce que vous m'impressionnez. Vous êtes un grand monsieur, vous êtes un grand comédien, vous m'avez apporté des grandes joies. Mais dans vos chansons, elles sont trop longues et trop denses. C'est comme vous avez beaucoup de colère, on a l'impression que tout peut vous mettre en colère, et moi ça me fait un peu peur. Vous plaisantez. Depuis quand une femme a peur d'un homme? Depuis toujours, tiens. Il est drôle. Ah, vous déconnez, là? Pourquoi? Vous ne fâchez pas parce que vous me faites un petit peu peur. C'est drôlement, vous êtes vachement... des petits tiroirs, quand même. Hein. C'est pas des petits tiroirs, c'est que c'est vrai que... Et alors, vous dites des chansons d'abord, c'est pas des chansons. Oui, enfin, des textes sur musique. Non, c'est pas des textes sur musique. Qu'est-ce que vous banalisez? Non! Mais c'est pas banalisé. C'est fou, ça. Mais c'est de dire une bêtise, si, c'est banalisé. Mais c'est pas... Mais non, c'est ça, c'est pas banalisé. On a l'impression que vous, si on vous dit, ce sont des textes sur une musique, c'est pas vrai. Ce sont des paroles sur une musique. Non. Mais dites-nous ce que c'est. C'est un chant traditionnel, comme on fait en Afrique, comme on fait partout. C'est des textes sur une musique. Donc, mais c'est un texte, c'est des paroles. Attendez, pour expliquer, je vais mettre tout le monde d'accord. Non, pour on n'en parle plus, personne. On n'en parle plus. Pour expliquer. On n'en parle plus. Parce qu'il y a on n'en parle plus. Mais vous pouvez vous lever, hein, si vous allez... Qu'est-ce qu'il y a, Jean-François? Je peux vous dire un truc, s'il y a bien un mec qui me fait pas peur, c'est bon, hein, je vais. Et quand j'ai un truc à dire, je le dis, hein. Ton disque, il est... Super. Non, mais je comprends. Et de toute façon, je comprends. C'est clair? Je comprends. Tu vois, pour ce qu'il faut savoir avec Bohringer, moi, je vais vous dire comment je le prends, Bohringer. C'est un type, aussi bien dans le cinéma que dans la chanson ou dans le musical, il est en effraction. Il n'est jamais complètement assis là où il est. Il est toujours sur un pied. Il est toujours en train de partir ou de revenir. Moi, il me fait penser à la statue que je préfère à Paris, qui est le génie de la Bastille. Sur la Bastille, regardez, il y a un petit personnage qui est sur un pied. On ne sait pas si ce personnage arrive ou si ce personnage part. Il change de pied des fois. C'est Bohringer. Bohringer, c'est l'homme sur un pied. C'est comme ça que je le vois. C'est une belle description. Alors, mais je suis d'accord aussi. Alors, je veux vous rassurer. Non, mais sérieusement, parce que je comprends très bien. Moi, je ne suis pas, j'ai pas d'ego non plus par rapport aux objets que je peux commettre. Je veux dire, je comprends très bien qu'on ne les aime pas, ou qu'on les aime, ou qu'on les comprenne pas. Ce que vous voulez dire, Maureen, c'est que ceux qui penseraient acheter un disque de Laurie, ce n'est pas un disque de Laurie, quoi. C'est un disque... Non, mais elle a raison d'exprimer son truc. Voilà. Hein. Annie Lemoine n'a pas peur des hommes, Annie. Pas du tout. Alors expliquez-vous. Mais quand on vous met en amour, ça peut être dangereux. Parce que dans mon quartier, vous êtes grimpé sur un arbre, place Saint-Sulpice, vous avez hurlé votre amour à une femme et il a fallu les pompiers pour vous descendre. Ben oui, parce que j'arrivais pas à redescendre. C'est vrai, ça? Bah ouais. Vous montez à un arbre? Oui. Mais expliquez-nous, que faisait cette femme dans l'arbre avant vous? C'est une vieille tradition. Cette femme était avec un misérable concurrent. De remplacement. Hein? Un provisoire. Et la fenêtre de sa chambre, je la connaissais très très bien. La seule façon d'être à peu près à la hauteur, c'était de monter dans ce putain d'arbre. Et ben moi, c'est pour ça que j'habite au 6e étage. Les arbres, ils sont plus petits. J'en ai des grands dans ma tête.
Non, mais j'aime beaucoup, moi, l'univers de Boringer, parce qu'on le suit, quoi, il accroche, il nous emmène. Et alors, juste un mot, je pensais que c'était du reggae avec les couleurs, moi, sur le disque. Et pas du tout, mais non, bon. Non, c'est il... les droits, c'est ce que j'appelle le triangle d'or, le Mali, le Burkina et le Sénégal. Sénégal, dans sa totalité, mais comme le côté musulman du Sénégal est le plus grand, c'est là où je suis. Gueluc et puis Derek. Il y a des textes que vous dites qui étaient dans votre livre. Ouais. Alors j'ai eu l'impression que j'avais déjà entendu ce disque avant qu'il n'existe. Parce que quand j'ai lu votre livre, que j'ai adoré, j'écoutais de la musique. Et c'était tellement écrit par vous que j'avais l'impression que vous me parliez. Vous comprenez ? Il y avait quelque chose de magique déjà à l'époque, je l'ai retrouvé dans le disque, c'est parfait. Oh, merci. Jean-François Derek. Bon, alors moi, comme je l'ai dit, j'ai pas ma langue dans ma poche, mais ça tombe bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Le Froussard. Non, j'ai beaucoup aimé tes chansons. Tes chansons qui n'en sont pas, puisque c'est plutôt de la tradition orale africaine. Hein. Mais bon. Mais bon, j'ai une petite critique à faire, c'est que t'as quand même intérêt à prendre une boîte de Prozac avant, parce que c'est quand même un peu déprimant. T'as des endroits où t'as pas intérêt à l'écouter quand même. Le gars qui est dans la Somme, qui a une inondation, qui a tout perdu, il faut pas l'écouter de ton disque. Hein. Ah bon ? Non, je trouve pas ça triste. Ah, moi non plus alors. Ah, ça me fait quand même si vous êtes avec 6 musiciens sur scène, ils ont un nom, ce groupe de musiciens. Aventure. Formidable. Vous êtes en tournée à travers la France, au Val-de-Reuil le 17 novembre, La Chapelle-sur-Erdre le 29, Lyon le 12 décembre, Conflans-Sainte-Honorine le 13 décembre, puis après il y aura au mois de janvier Élancourt, Firminy, Marseille, Hyères et Morsan-sur-Orge. Et je signale évidemment les dates parisiennes à la Villette, donc sur le parking du Zénith, on est bien d'accord. C'est jusqu'au 23 novembre à partir de ce soir, jeudi. Voilà. Hein, j'ai bien tout dit, hein, Richard. Super. Bon. Mais vous avez tous tout bien dit. Mais, vous êtes ici, chez vous, Richard Boringer. Non. Si, j'y pense, d'un seul coup, avant qu'on passe à la dernière séquence de l'émission. J'ai lu un papier étonnant sur vous dans VSD, où on apprend des trucs, mais alors qu'on n'avait jamais lu vous concernant. Par exemple, tout ce que vous portez là, c'est des costumes que vous avez récupérés lors de tournage. Ouais. Ils disent ça, ils disent que vous habillez uniquement qu'avec les costumes que vous avez... Alors ça, par exemple, il vient d'où, ce pull ? Il vient du film que je viens de faire à Marseille avec Eric Cantona. Heureusement que vous n'avez pas tourné que des péplums. C'est drôle. Le pantalon ? Marseille aussi. Marseille aussi, ouais. Le t-shirt ? Aussi. Aussi. Vous avez déjà eu dans votre vie un certificat de décès vous concernant ? Ouais. En 67. On a fait... Vous étiez mort. Ouais. Ça fait un drôle d'effet, ça, j'imagine. Vous avez conservé ce certificat de décès ? Il y en a qui en reviennent pas, vous savez. Non, mais j'en suis pas revenu, mais... Ah ! Un soir, Alain Delon vous a recueilli sur les Champs-Élysées. Non, j'ai dit que moi, j'avais une image d'Alain Delon qui était totalement différente de celle que lui-même donne et que donc on est bien obligé de recevoir. Et que j'ai connu Alain Delon à une époque où c'était déjà une très très grande star, où c'était un mec très rigolo, hyper généreux. Et que moi j'étais un inconnu qui m'a jamais laissé dans la merde et qui m'a fait bouffer, c'est tout ce que je dis. Très bien. Bah, c'est génial. Ça tombe bien, il arrive sur France 2, Alain Delon. Et que c'est vrai que le spectacle qu'il me donne au jour d'aujourd'hui, je le comprends pas, il est abstrait pour moi, je sais pas où il est. Il arrive sur France 2 là. Ah, c'est pour ça qu'on est moins payé alors. C'est vrai, vous êtes moins payé ? Ah bah attendez, quand ils arrivent là, les cadors là, il faut bien diminuer quelque part, non ? De par Dieu, de long ? Oui. Tous ceux qui font de la télé par hasard et parce que brusquement ils l'aiment. Richard Boringer, c'est bon, une vie et nuit, le disque et le spectacle en ce moment à la Villette et puis en tournée à travers la France en décembre et janvier. Richard, vous restez avec nous pour la dernière séquence de l'émission. D'accord. Vous connaissez peut-être le nom de cette séquence ? Non, pas du tout. Ça s'appelle le Kikavuki. Vous y jouez quand même ? Ouais. Kikavuki, c'est parti. Alors, première photo. Là, si vous trouvez, je vous paye des cacahuètes. C'est une politicienne de l'UMP. Ouais. Non, pas de UMP, c'est une politicienne. Parti socialiste. Parti socialiste, exact. Ouais, yeah. Je peux même vous donner son nom.
Madame Catherine Génisson, députée socialiste du Pas-de-Calais. Qu'est-ce qu'on a pu faire dans le Pas-de-Calais hier ? Ça s'est pas passé dans le Pas-de-Calais. À Paris. Ah. Ça s'est passé à Paris. Ouais. Enfin, vous n'êtes pas au courant, à l'Assemblée, il s'est passé quelque chose hier. Un malaise. Un malaise. De monsieur... Ça fait longtemps qu'il y a un malaise à l'Assemblée. Elle est... Madame Catherine Génisson, allez, tant pis, vous donnez votre langue au chat, c'est-à-dire à Gueluc. Madame Catherine Génisson a porté secours à monsieur Laurent Catala, qui hier a eu un malaise au moment de la question qu'il posait à l'Assemblée. Catalamaran, qui a comme les autres. Deuxième qui a vu qui est. Oh oui, comment elle s'appelle Voinet jeune. Non, c'est un petit garçon. Non. C'est non, pas du tout Dominique Voinet. C'est Voinet jeune. Patinage artistique, non. Non, c'est on s'en souvient pas. Gérard Miller, j'espère que Dominique Voinet va s'en souvenir. Mais c'est Voinet jeune. Non. C'est pas Dominique Voinet du tout. C'est un garçon qui fait du patinage artistique. C'est un jeune garçon qui fait du patinage artistique. Il débute aujourd'hui au Palais Omnisports de Bercy le trophée Lalique. Il a eu une médaille de bronze au dernier championnat d'Europe. Et je vous demande d'applaudir ce garçon qui s'appelle Brian Joubert. Vous êtes nul, on est un dernier, pour la route. Ah, oui, c'est le majordome de... Ah oui, c'est celui qui a piqué les objets. Voilà, de Beurel, Diana. Beurel. Bravo Maureen Dor, bravo Richard Bollinger, monsieur Paul Beurel, bravo Maureen, le majordome de Lady Diana, gracié par la reine d'Angleterre qui dit qu'elle qui s'est réveillée un peu tard d'ailleurs. Oui, mais faut qu'elle est un peu endormie en même temps, hein, donc il faut du temps pour qu'elle se réveille, la reine. Et soyez respectueux avec la couronne quand même. Ah oui? Ah ouais. On ne me parlait pas de couronne. Justement, il est temps qu'on s'arrache. Richard Bollinger, merci d'être venu nous présenter, c'est beau, une ville la nuit qui se transforme le temps d'un spectacle en c'est beau, un parking du Zénith la nuit. Merde pour ce soir. Ah ben j'ai eu peur parce que j'ai cru que c'était carrément une agression. Non, la première ce soir de Richard Bollinger sous chapiteau à la Villette, courez-y, c'est beau, une ville la nuit. Merci Richard. Merci de m'avoir accueilli. We'll be right back.